Francine. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas un tas de jeux de société comme ici à la maison et que les enfants s'ennuient et on peut leur mettre une raclée au 25. Le 25, c'est quoi? C'est un jeu de dés, parce que vous avez bien 5 dés cachés quelque part dans des vieilles boîtes de jeux ou au fond d'un tiroir. Alors, dans ce jeu, chaque joueur a un capital de 25 points qu'il va essayer de garder. Quand c'est votre tour de jouer, vous lancez les dés, vous en mettez toujours au moins un de côté ou plus en fonction de ce que vous avez fait. Alors là, par exemple, allez, je vais mettre le 6 de côté et je vais relancer les autres. Hop, ah ben là, ben je suis obligée de mettre le 4 hein, parce que c'est le plus gros et que j'espère faire 25. Hein, puis là, ben, pas de chance, hein, je remets encore un 4 de côté, je relance les deux derniers. Je mets le 5 de côté, je relance ce 2. Et là, bon, j'ai fait un 4. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai comme point? Là, j'ai 3 x 4, 12. 12 et 6, 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23 points. Ce qui veut dire qu'il me manque 2 points et que je perds 2 points sur mon capital de 25. Je marque mon score. Allez, voilà, j'ai plus que 23. Mais là, le mieux, ce serait de jouer. Francine, on joue? Justement, je m'ennuyais. Allez, alors si j'ai bien compris, je prends tous les dés, je les lance. Et bien j'en mets un de côté. Allez, je mets le 6. Ben, je mets aussi le 5. Hein, voilà, puisqu'on peut en mettre au moins 2. Oh ben là, super, je vais mettre encore le 6, encore le 5. Il me reste le 4. Bon ben là, je pourrais m'arrêter là. Hein, puisque ben, en fait, j'ai un de plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas compliqué. En fait, chaque fois que tu vas lancer les dés, chaque fois que tu vas faire 1. Je vais perdre un point. C'est tout. Ben voilà, alors du coup, je t'attaque en 1. C'est-à-dire que chaque fois que je fais des 1, tu vas perdre un point? Super. Oui, tu perds déjà un point. Ah ben, c'est tout. Tu perds qu'un point. Ben, tu perds quoi pour attendre, par contre? Bon, ben voilà, hein. Je me suis fait attaquer. T'es pas si sympa que ça, en fait, hein. Mais en fait, dans ce jeu, ce que tu sais pas, c'est que je peux aussi récupérer des points. Hein? Mais c'est quoi cette arnaque? En faisant les petits. C'est-à-dire, je lance les dés et j'essaye de faire moins de 10. Du coup, je mets de côté tous les petits. Là, je mets les 2. Hein. Je relance. Là, je mets le 2. Je relance. Et là, voilà. J'ai 2, 4, 5, 6, 7 points. Donc, 8, 9, 10. Je suis à 3 de 10. Je lance les dés. Chaque fois que je fais 3, je récupère 3 points. Voilà. Là, j'ai 3 points de plus. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal par rapport à ce que tu m'as piqué. Voilà. C'est comme ça. Pff, il m'énerve avec sa fleur, là, celle-là. Là. Pour une fois que je gagnais, là. Pff. Bon allez, c'était juste pour passer le temps. Et pour la règle précise, vous l'aurez dans le générique.